Bienvenue dans cette nouvelle Lyon Hockey équipe. Les gens, j'ai enfin réussi à trouver les mirages et à la faire spawn, c'est la première fois. Donc là, il nous reste, je crois, 13 minutes pour trouver le Blue Gear pour aller sur la Lune. Alors, bon, c'est pas du tout la pleine Lune, mais normalement, ça devrait être bon avec le petit miroir fractal. Si je regarde. Si tu fais ça, ça va te mettre encore le message, le miroir fractal, machin, là. Je sais pas, il n'y a pas du tout la Lune, alors ça fait un peu peur. Oh non. Si, ah, c'est bon. Et okay. Là, normalement, t'as du coup 15, enfin un peu moins de 10 minutes pour trouver le Blue Gear. T'as mis un jeu. Je vois rien du tout, les gens. On nous a dit le. C'est mieux ou pas? Attends, ça charge. C'est bon, les textures? Ah oui, effectivement. Ah ouais. Ah ouais, ok. Ah ouais, d'accord, ok. Ok, c'est tout moche. Et donc là, normalement, tu as trouvé un truc bleu. C'est tu l'as vu sur internet, normalement. Ouais, c'est caché dans des petits trucs comme ça. Ah bah oui, effectivement, c'est bien. C'est bien, ouais, c'est moche, pas, mais c'est bien. Moche, mais c'est bon, en tout cas, faut pas oublier d'avoir de pouces bleus, faut s'abonner à la chaîne. On a juste 10 minutes pour trouver ce petit Blue Gear. C'est un tout petit truc caché ouais, dans des recoins. Vas-y, t'as 10 minutes. Oh, j'espère qu'on va le trouver. Est-ce que ça brille un petit peu quand même? Ah yes, il y a un coffre violet. Ouais, mais on s'en fout des coffres, on s'en fout. Ouais, on irait chercher. Ouais, les coffres, c'est après. Déjà, concentre-toi. Ah non, ça c'est un coffre. C'est plus facile avec quand même avec ça. Avec les textures. Bah ouais, de ouf. En fait, il faut se mettre très loin avec les textures moches. Donc, okay, sur mobile, okay, vous baissez la qualité graphique. Oh là, oh là. C'est quoi ça? Non, c'est un coffre. C'est pas ça. Ok. Elle est grande, l'île, pour. Elle est grande. Mais c'est une blague. Oh non, c'est giga grand. Coffre. Okay. Donc, on a bien toujours le truc qui montre brille. Que ça reflète. Et normalement, il y a un truc bleu qui doit scintiller de mille feux. Pendant que j'ai fait spawn l'île, hein, parce oui, que. Oui, vrai, oui, oui, oui. Je l'ai vu de loin, c'était okay, stylé. Okay. J'ai fait ah yes. Enfin, de loin, quand je suis arrivé, j'ai vu le truc. Ouais, on a fait à peu près 30 minutes de balade en bateau en level donc, 5 et bah, elle a spawn devant nous. Ah yes! Let's go! C'est ça. Non. Si, c'est ça. C'est ce truc-là. C'est une blague? Non, c'est ça. J'ai trouvé. C'est une blague? C'est vraiment ça? Non, c'est ça. T'as vu, ça brille même pas. Hein. Oh là là! Tu as trouvé un artefact chelou. Oh là 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 là! Le temple bon, du coup, temps. Tu l'as dans ta boutique. Bon, merci pour les tutos. Hein, parce que dans là, tes ça... items. Ouais, normalement. Donc ça part pas. Elle est où? Je sais pas où c'est. Non, c'est un truc qui se met pas. Tu penses? Bah, j'ai l'impression que Samy retourne au temple du temps. Vous avez trouvé un artefact chelou. Oh là 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 là! Oh, on va y arriver! Eh bah, dis donc. Bravo! Fais un tour de l'île. Je vais regarder pendant ce temps-là. C'est qu'il faudra relancer le jeu parce que. Oui, bah on relancera le jeu. Ouais, mais après, c'était trop moche. Hein. Ça va rester oui, comme ça. Oui, mais non, mais fais l'immirage pour l'instant comme ça parce que de toute façon, on voit rien sinon. Ah, on voit rien. Donc fais comme ça si tu veux trouver les coffres. Bah, très fat. Hein. Oh là là, trop bien. Trop bien. Très bien. Ça fait plaisir parce que du coup on s'est débrouillé tout seul et bah ouais on a fait spawn tout seul on a fait du coup bah on a trouvé tout seul et heureusement que non mais t'as eu de la chance de le trouver hein. Ouais pas mal hein. c'est tout petit hein. Minuscule ouais, mais, moi, mais je m'attendais à un truc qui brillait au minimum bah, je crois que ça brille un peu peut-être ah oui peut-être avec les textures mieux ouais, ouais ça brille ouais peut-être du coup hop Shark V4 oh bon ouais, Shark V4 trop bien. Ça c'est fat. Bon, on enchaîne un peu Bloxru, mais en même temps, il y a plein de trucs à faire. Et puis on est trop plutôt motivé. On a de la trop chance trop aussi, bien. Puisqu'on a eu le T-Rex à acheter. On vient d'avoir eh bien, l'île Mirage. Ouais, c'est ça, exactement. Ouais, c'était assez rapide. Ça va, c'est pas plus dur. Alors, que ça. Le Great Tree. Ok, le Great Tree c'est fait. On a besoin du miroir fractal. C'est bon. Attends, je vais traduire cool. Tout ça. Les gens, enfin, pour ceux qui voulaient nous voir en V4. Traduire, ouais. Le Shark V4. Oh, c'est oh, trop bien. Ah oh, c'est trop bien. Cool. Alors, trouver l'île Mirage, ça c'est bien. Activer la capacité de race pendant la nuit. Ok, va le miroir, ça. Ensuite, chercher l'équipement. Donc ça, c'est fait. Aller au temple du temps. Ouais, au lieu. Pleine lune, c'est ça, non? Non, pas pour l'instant, la pleine lune. En tout cas, la technique ouais, de mettre les qualités dégueulasses... C'est oui, bah ouais, merci pour tous ceux qui l'ont dit, parce que franchement, c'est le jour et la nuit. Hein. Bah là, de ouf, hein, parce que bon, tu vois pas grand-chose, mais... Et donc, non, y a pas mais du coup, tu le vois au moins. Il n'y a pas de solution, c'est comme ça. C'est tout ouais, comme parce ça. Que t'as vu la différence, quand t'es passé, bah, on voyait le gris marron de la montagne. Je pense que si je zoome, on voit pas terrible, tu vois. En fait, il faut mieux se mettre loin. Et ouais. Déjà, rien que pour voir les coffres et tout. Ouais, mais je sais pas si... GG, on a réussi. Ouais. Et on a mis 30 minutes à trouver les mirages.
30 minutes et à peu près. C'est moi qui l'ai trouvé. Ouais. Ce qui me l'a fait mort. Et pas moi, j'ai fait, non, mais de toute façon, ça, c'est ma chance. Et en plus, la chance qu'on a eue, c'est que le soleil se couchait pile à ce moment-là. Ouais, donc on n'a pas besoin d'attendre parce que je pense que si tu es au mauvais moment, bah, ça dure. Non, parce que. Bah, après, si, parce que t'as que 5 minutes, par exemple. Bah oui. Donc le temps de trouver, tu trouves pas forcément, en fait. Surtout qu'il y a 9 endroits. Parce que toi, par exemple, t'es arrivé de nuit à un moment, t'as commencé et t'as pas. Et l'île a despawn parce que, bah, t'as. Ouais. 9 endroits possibles. 9 endroits. Ouais, le petit et point. Et tout en bas. En gros, là, par exemple. Bah là où il y a les coffres, en fait, non? Non, j'ai l'impression. Pas forcément. Je sais pas. En gros, il y a un petit recoin, faut juste trouver le petit recoin. Je pensais à un recoin, parce qu'il y a un recoin qui était tout pourri, tout petit. Je fais, ah, mais non, mais c'est une blague, genre, je vais jamais le trouver si c'est là-dedans. Et finalement. Et c'était pas là. Mais ça va, ouais, bon, non, bah, ça une va. Une sorte de. Un truc fait exprès où en fait tu tombes dans un trou, mais là, tu vois, c'est un gros trou, ça, apparemment. Oui, ça allait. Un tout petit trou entre des coins. Oh, comme ça. On a réussi. Ok, mais il a pas cru, elle a cru que j'aurais pas trouvé. Bah non, parce que honnêtement, Guillaume, il m'a dit, ouais, c'est vraiment petit. En plus, les textures. Hein. Bon, voilà, du coup, avec la texture moisie, là, on peut voir. Mais franchement, quand Guillaume, il avait commencé à regarder, on voyait rien, mais alors rien du tout. C'est pas moisie comme texture, mais c'est pour ceux qui jouent sur des mobiles pas très puissants. Oui, mais du coup, c'est cubique, quoi. C'est pas terrible. Oui, voilà, c'est ça. Mais du coup, c'est... Ah, trop cool. Trop cool. Bah, on va aller compléter la quête du temple du temps et puis on va atteindre la pleine lune pour... Je cherche juste un truc. Vas-y. Parce que j'aimerais bien voir les autres possibilités. Bah, j'ai eu de la chance de tomber dessus, je pense. Je pense que t'as eu de la chance de tomber dessus, ouais. Parce ça, que... c'est Guillaume et sa chance. Parce qu'il y en a partout et je sais qu'il y en a un, mais c'était vraiment genre en mode... Non, mais sérieux. Genre... Du coup, Shark V4. Ouais, ça bah, attends, on n'y est pas encore. Alors, mais normalement, ouais, mais ça devrait être bon. Dans cette vidéo, normalement, Shark V4. Là, genre là, tu vois. Ah en oui, gros, ouais. Là ouais. Et en dessous ça, genre vraiment caché. Et en fait, si tu passes de loin comme ça, bah tu le vois pas et tu continues. Ouais, donc faut bien. Ok. En fait, faut faire les coins. Si vous le cherchez, vous faites les coins. Ok. Les coins. Genre là. Normalement, limite, elle despawn dans 5 minutes. Donc t'avais encore le temps, tu vois. Ouais, j'étais... Bah, j'ai eu de la chance. Hein. Ouais. Tombé au bon endroit. Mais du coup, voilà. Donc, et bah, GG. Très cool, hein. Bah ouais. Alors, normalement. Normalement, alors, allez au temple du temps. Si je me trompe pas, c'est ici. Use it. Ok. Au lieu d'aller de l'avant vers le PNJ Misk, tournez à gauche dans le couloir vide. Ah mais c'était le... On se demandait ce que c'était. Ok, faut que j'aille... Là. Ouais. Ensuite, faites face à un mur, au mur de droite et montez. Ah. Ah. C'est ça. Ouais. C'est ça. Vous verrez un levier près de l'entrée, allez-y, tirez-le. Une fois que vous êtes en mesure de tirer sur le levier, vous n'avez pas besoin de répéter toutes ces étapes lorsque vous passez à une autre race. À propos de l'équipement, après avoir fait briller la lune au sommet de l'île Mirage... Ah oui, c'est bon. Oh. Et donc là, j'aurais pas pu faire le levier si j'ai pas le truc, c'est ça? Ah bah oui, parce que du coup, c'est un écrou. C'est l'écrou que j'ai ouais, trouvé c'est le ça. Truc bleu. Ok, après avoir fait briller la lune... Un seul engrenage apparaît, vous faites briller la lune... Et tu ouais, non, ça c'est bon. Attendez une pleine... Alors, déverrouillez, vous devez suivre les étapes. Attendez une pleine lune. Donc là, faut que t'attendes une pleine lune. Attends, je me suis déco-reco, alors du coup, comment ça se passe? Ah oui, là, il y a des... Ça ouais. Se trouve, c'est... t'es en pleine lune, là? Mais attends, tu vas sortir. C'est stylé. Ok, rassemblez également deux autres joueurs pleine... de races c'est différentes. C'est pas une pleine lune. Ah ouais, c'est mort. Ah bah oui. C'est une blague. C'est une blague? Bah, faut y aller en pleine lune, peut-être qu'il y aura d'autres mondes. Ah oui. Les trois joueurs doivent se tenir devant leur porte d'essai de race respective. Si quelqu'un est de la même race que vous ou un autre, vous ne pouvez pas obtenir V4. Donc là, faut que je trouve le requin. C'est le requin, ça? Ça, c'est un lapin. Hein. C'est un lapin. Oui, il y a le lapin. Ah, il y a le lapin? Ouais. Mais c'est une blague, comment c'est, on fait? C'est de ouf, ça doit être... autre chose. Là, c'est... Humain. Humain, je dirais. Attends, mais c'est une blague, faut le faire avec les gens, alors. Ouais. C'est chaud. C'est giga stylé. Et donc là, l'écrou, il me servait à ouvrir cette pièce, c'est ça? Ouais, c'est ça. Oh. Ah. Là, ça oh, c'est Shark, ça. Ancient One. Non? Non, t'es pas dans une pièce, là. Non, c'est là où on va tous aller, je ouais. pense. Ouais. T'es obligé d'être avec d'autres joueurs? Ah, c'est une 64. C'est Mario? Non? Ah ouais, c'est Mario 64. Attends, c'est une blague, ils ont repris le truc de Mario 64. Bah, regarde le nombre de toits que je fais. Et regarde quand je redescends. Ah, c'est, en fait, c'est des c'est faux. Comme Mario 64. Ah ouais, c'est faux. Mais non, mais c'est que tant que t'as pas la clé de Bowser, en fait, ça va être tout loulou ah loulou ouais, et tu montes les escaliers là, en fait. Ah oui. Ok, donc là, c'est pas bon. Ok. Oh là là, mais attends, mais...
Ça, c'est des bateaux, regarde. Ah non, ça, c'est ange, ça, c'est ange. Ouais. Ça, c'est ange, non? Ça, c'est ange. Ouais, ça, c'est ange. C'est quoi le requin? Je vais voir le requin. Non, mais t'as tout sauf le requin, là. Ah ouais, mais c'est mort, tout le monde a le requin, non? Ah. Cyborg. Cyborg, non? Ou ghoul. Ah, ghoul. Ouais, c'est un cimetière. Ouais, ghoul. Et what? Là? Cassez-les. Ah, ça va être là, ça va être là. Ouais! Mais c'est trop bien! Il faut faire quoi du coup? Faut alors, rester devant. Donc attendez une pleine lune. Ouais. Rassemblez également deux autres joueurs de races différentes. Les trois joueurs doivent se tenir devant leur porte de race respective. Si quelqu'un est de la même race que vous, vous ne pourrez pas obtenir V4. Ouais. Donc s'il y a un, il faut vraiment que ce soit deux autres personnes. Ouais. Une fois que tout le monde est prêt et que la pleine lune a atteint son apogée à travers les nuages, les trois joueurs doivent activer leur capacité de race devant les portes d'essai en même temps pour les ouvrir. Bah c'est mort quoi. Bah j'avoue. Là c'est giga mort. Là c'est giga mort. Il faut le chat, il faut que je vais sur portable. Arrête, il faut que je trouve. Ah ouais, il faut que je trouve. Ouais, c'est ça. Oh, c'est Dooking. C'est Dooking. 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 Le dernier joueur debout devra alors suivre l'horloge incandescente jusqu'à l'horloge ancienne. Interagissez avec l'orbe, puis interagissez avec l'horloge ancienne. Classé à la première vitesse dans la fin. Félicitations, vous débloquez la race V4. Il galère, il l'a ouvert. Attends. Tout seul. Attends, il l'a ouvert tout seul là. Ah, c'est une frite. C'est une frite géante. La frite Roblox. Quoi? Ah oui, c'est une frite. Il l'a fait tout seul, mais il est fou. Pourquoi il l'a fait tout seul? Ça se trouve, il avait le sweet calice et il oui, bah le oui, oui, bah oui. Il est un peu trop fort. Ah, mais par contre, les gens, faut qu'ils viennent là. Non, mais c'est mort, on est que deux. C'est mort. Bah, t'as 15 minutes. Au pire, tu dead et puis tu. Ah, c'est bon. Mais oui, mais tout le monde va venir, t'inquiète. Je reviens. Donc, c'est impossible. Parce que les trois. Il faut que les deux autres te. Ouais, mais déjà, on a fait un truc super important. Ouais, ouais, je pense qu'on a fait un truc. Et puis là, ouais. On a un Dooking. Et je pense que Guillaume ira hors vidéo trouver des abonnés. Parce que honnêtement, je sais même pas comment on peut faire ça sans vous, en fait. Faut que je fasse des dégâts. Donc, j'ai plus le T-Rex, hein. Désolé. Je l'ai enlevé en direct. Hein. Bah, de toute façon, avec le portail. Oui, bah, oui. Non, mais là, je l'aurais en direct. De toute façon, j'aurais vu Dooking. J'aurais fait go. En plus, oh là là, non mais on fera avec des abonnés. On va réunir un conseil avec vous pour nous aider parce que là, honnêtement, ça a l'air mais giga chaud de devenir V4. Hein. C'est giga dur. Hein. Vite, faut être en chat et tout quoi. T'sais. Ouais, non mais au-delà d'être en chat, il faut vraiment des gens que tu connaisses. Hein. Ah bon. Ah oui, parce qu'en fait, il faut. Bah, je t'expliquerai après. Finis ton Dooking. Ouais, attends, si j'ai des récompenses. Ah, faut que je change, faut que je mette le dragon juste à. Ah bah non, ça compte. Mais tu montes 5 niveaux déjà. 6. Et puis c'est tellement pas souvent, c'est la deuxième fois qu'on le fait. Hein. Et sachant que la première c'était moi, c'est j'ai eu de la chance. La première c'était toi et t'as de la chance, ouais. Attention. Oula. Pas mal. Ouh, pas mal. 15 000. Pas mal. Mais non, mais il y a une V2, hein. Non. Non. Il récupère pas sa vie. Non, si. Non, c'est Ripindra qui récupère sa vie. 1000. Ok. Oh bah punaise. 30 minutes pour faire le mirage, Dooking. J'ai trouvé un bon serveur sur surtout que... Non mais c'est quoi le pire? C'est quoi le pire dans tout ça? C'est que j'ai relancé pour remettre la bonne gros pack. Je suis pas sur le serveur. Ah oui, bah oui. J'ai pas la même. Oui, t'as eu de la chance de tomber sur le serveur. Ah oui, t'as pas la transformation. Ouais! Un autre miroir fractal, 2024! Ah, il arrête qui? Oh, 2025. Oh non! Une année de trop! Ah, il arrête qui? Qui sert plus à rien. Mais ah, et du coup, t'as une nouvelle île, t'as débloqué une nouvelle île. Putain, on va peut-être faire un raid du coup. Un raid d'où? Bah, je sais pas, peut-être. Do? Non, je sais où c'est maintenant. Oui, c'est vrai. Ça coûte 2000 fragments. Non, 1000? 1500? 2000? Je gagne pas le fragment, c'est cool. Bah tu peux tenter hein, je sais pas comment ça se passe. Je sais pas où tu vas après par contre. C'était lui, donc ouais, j'ai ouvert, j'ai plus besoin du coup. Non mais t'avais plus besoin de toute façon. Ok, bien sûr. Et donc là si t'achètes pour 1000 fragments, tu peux faire. Peu importe. Mais du coup j'ai plus la clé. Oui, t'as plus la clé, ouais. Tout le monde a acheté, mais du coup ils ont la clé là. Ils ont la clé et je pense qu'ils savent pas quoi faire. Une clé, c'est cool.
C'est stylé. Ah oh, oui, c'est la petite frite. Ah oui, c'est la frite. La frite. Bah, elle est partie. Alors, est-ce que je t'explique? Allez, regarde, c'est la frite, regarde! Est-ce que je t'explique? C'est une petite frite bleue. Donc, il faut attendre la pleine lune, il faut se mettre là, devant ta porte, avec deux autres joueurs qui ne sont pas Shark. Oui. Une fois que les trois joueurs ont terminé leur essai, ils doivent s'affronter. Oui, mais une fois, oui, ça j'ai entendu. Des conseils pour cela, Pemama. Le dernier joueur debout devra alors suivre la boule incandescente jusqu'à l'horloge ancienne. Interagissez avec l'orbe, puis interagissez avec l'horloge ancienne, placez la première vitesse dans la fente. Félicitations, vous avez bloqué la race. Attends. La V4. La V4. Attends, mais c'est... Du coup, il n'y en a qu'un des trois qui arrive. Oui. Quoi? Oui. Non, mais c'est pour ça, c'est hallucinant ce qu'il veut faire. Mais c'est une blague. Donc, au-delà des gens en chat, on s'aide même pas, c'est... Il faut vraiment que ce soit... Bah non, parce que... Est-ce que vous qui avez, par exemple, la V4, est-ce que vous pouvez nous aider, en fait? Vu que vous avez déjà le Blue Gear, le miroir fractal et tout. Ouais, c'est... Ou faut attendre des gens qui ont vraiment tout. C'est impossible. Ouais, qui sont juste gentils de t'aider, quoi. Mais là, faut trouver des abonnés qui sont gentils pour nous aider. Et qui ont une race pas requin. Et du coup, la transformation dure plus longtemps, faut activer la deuxième transformation. Non, mais ça a l'air d'être une blague sans nom. Tu veux commencer la quête de Tushita? Ouais, vas-y, on va faire ça. Ok. Je vais juste, justement... Ah! Parce que comme ça, après, on aura juste à monter de niveau pour pouvoir associer les deux armes. Justement. On va faire ça. Ah oui, d'accord. Pour la maîtriser. C'est pour ça que je vais faire ça. Ah oui, bye. C'est mieux que la dernière fois, hein. La dernière fois, j'ai avant, on nous avait dit de prendre le Bouddha, mais ouais, mais on n'a pas du tout les capacités pour le Bouddha, donc... Bah, ici, il faudrait que j'aurais stat, mais faut la flemme. Alors... Mais ça va aussi, wesh, Big Mom, là. S'il te plaît, le jeu. Laisse-toi tuer. Allez, Cake Queen. Ouais, je sais pas combien j'ai là et je tape du 25, c'est pas possible. Ah, si je la retape une fois que je l'ai questionné, c'est fini. Ouais, je pense. Ok, ça va, c'est toute ta vie. Allez. Oh, c'est bien, tu as skill. Tu as du 106. Ah, ouais, c'est une blague là. Oh non. Oh. Yes, Gigi! Bravo! Parce que c'est 150, hein, si je me trompe pas. Si c'est comme le fruit. Oh, fat! Pas mal! Et du coup, t'as déjà éclat infernal. Plus que 200 niveaux. Quelle galère. Quelle galère, ouais. C'est joli. Ah, oh, c'est joli. C'est l'ouragan est plus sympa. Je me souviens, je vois c'est quoi l'ouragan. Bon alors, il faut que tu ailles au temple secret. Mais je comprends pas. Ah si, c'est aussi le point de départ de la quête pour obtenir Tushita. Beautiful Pirate. Ouais, c'est ça. Mais non. Ah, il faut que tu ailles au fond. Non, c'est pas là du coup. Ça, ah si, bien. Si, attends. Ah oui, mais c'est le point de départ. Alors, tuer les fantômes ou la porte ne s'ouvrira pas. Ok, t'as pas de fantômes. Sauter au sommet de la première cascade sur le côté droit et traverser. Au sommet de la première cascade. Quoi? Non mais tu veux voir ça? Ah oui, tuer les fantômes, et c'est ça, ou la porte ne s'ouvrira pas. Parce qu'il n'y a pas les fantômes. Ça se trouve, il était parti faire ça, lui. Ah oui. Juste à l'instant, pas de chance, mais on veut changer de serveur. Oui, vas-y. Change de serveur. Le Red Boss doit être vivant pour passer la porte. Le Red Boss 2. Ah, c'est pendant que tu fais Ripindra. Pendant qu'il y a Ripindra qui est vivant. Bah oui, je suis allé. Le Red Boss Ripindra. Donc en fait, faut faire... Pendant qu'il y a Ripindra. Quand il y a Ripindra. Mais, ouais. Mais non, mais c'est quoi ce truc de fou? En fait, quand il y a Ripindra, faut que tu te grouilles de faire ça. Je comprenais pas le Red Boss, je pensais qu'il y avait un boss derrière, ouais, et en fait, il fallait attendre qu'il se fasse. Ah, ils ont pris juste Yama, alors? Ils ont juste pris Yama, alors. Ah, ils ont juste pris Yama, ouais. T'attends là, en croisant les doigts, quoi. Mais... Ah, c'est pour ça qu'on nous a dit, quand on a dit oui, au lieu de faire Ripindra, vous auriez dû aller faire Tushita. Oh! J'avais pas compris! Je comprenais pas le rapport, en fait. Et parce que, en fait, il y a marqué Red Boss, et Red Boss, c'est Ripindra sur leur site.
Mais c'est quoi ces quêtes de fou furieux? C'est quoi ces quêtes de fou furieux? Genre normal. C'est quoi ce tricheur là? Oui. Ah, sur son chapeau. Oh. Ah, c'est un chapeau pastèque. C'est un chapeau pastèque, mais c'est trop bien, moi aussi je veux ça. Il a un chapeau pastèque, mais c'est genre, et ça c'est toléré par Blox Fruit. Il est cher que V4. Et c'est pas toléré par Blox Fruit alors que la tenue que je me suis embêtée à faire et acheter, elle est pas autorisée. Genre, ah oui, parce que t'as le gros chapeau. Je vais faire éclater derrière, t'es prête? Ouais, mais le problème c'est que. Je suis sorti, il y en a celui, non? C'est bon. Si t'as Ripindra qui apparaît. Bah, t'as pas le temps. T'as pas le temps? Non, t'as pas le temps. À peine quoi. Pourquoi tu veux faire ça? Bah, pour avoir un calice. Ah oui. D'ailleurs, je vais avoir un calice dans ce coffre là. Ah, mais si t'as un calice, le truc qu'il faut faire, ça va me stresser. Hein. C'est hyper rapide, il faut faire un truc, t'as 5 minutes. Ça va privé, tu lances Ripindra et tu vas là-bas. Ouais, mais il faut lancer. Ouais, mais Ripindra, faut avoir le calice. T'en as. Est-ce qu'on est d'accord, le... les gens, que c'est full serveur privé pour Tushita? Ouais, faut nous dire. Pour avoir Longma en 100%. Ah, bah ah oui. Le cadeau gratuit. Non, c'est pas où c'est. Mais il n'y en a pas sur la C2. Il y en a un C1, C2, C3. Ah bon? Oui. Ah là. Ouais, c'est la même. Ah, ça, je croyais que c'était en C3, moi. Est-ce qu'on a plus de chance en C2? Ça se trouve, t'as des cadeaux plus pourris en C2, en C3. Ah, c'est à... bah non, mais c'est à côté du bateau, hein. Ça aurait été plus facile comme ça. C'est à côté du bateau de Nirante. Ah oui, bah, mais je voyais pas sur le. Trop bien. Il y a Kim qui nous a rejoint, regarde. Je suis là avec mon petit nounours. Ouais, oui. Ouais, tu pourrais faire ça, n'empêche. Ça se trouve, tu pourrais me permettre d'avoir un super fruit du doux. Ça se trouve, je vais avoir le fruit du doux. T'imagines? Allez, zone verte. J'y vais comment? Bouge plus. J'y vais comment? Deux. Bah, sans me faire tuer? Ah, bah oui, je le store, je sais. Non, non. Non. Deux. Le fruit. Bon, après, tu me le traites. Oui. Tu sors, tu restes là. Ici, c'est PVP. Hein. C'est PVE. Il n'y a pas de PVP. Je sais. Attention. Est-ce que Kim aura plus de chance que moi? Eh, c'est ton premier. Bon, peut-être. C'est mon premier cadeau! Elle a un rose. Regardez, Kim, elle ouvre un cadeau. On a eu les deux pires fruits. Faire tourner le fruit. Tu peux même pas le store. Voilà. Est-ce qu'il y en a qui ont eu un truc stylé ou pas? C'est encore pire. Oh, c'est encore pire en C2. Regardez, avec des trucs tout nuls. Tout le monde. Il y en a eu qui a le light. Ah non, il a eu le fruit de la bombe. Non, tout, c'est nul. Tout est vieux fruit éclaté, ta roquette. Oh là là, nul. Bon, en tout cas, on espère que ça vous a plu. Ah non, mais tu vas donner ton truc pourri là. Faut faire plus tard. Mais non, j'ai un gâteau. Faut s'abonner à la chaîne et on vous dit à bientôt dans une prochaine vidéo de Gimme Kim. Allez, salut! Salut!